Et oui, et salut à tous YouTube, bienvenue sur Ori and the Will of the Wisps, donc la volonté des feux follets, on va l'appeler comme ça le jeu, parce qu'en français c'est tellement mieux. Et bienvenue, bah oui, sur le nouveau let's play donc, que nous allons faire, à savoir que j'ai déjà fait le jeu, vous voyez, bon alors 99% parce que visiblement la sauvegarde est buggée, j'ai ramassé tous les objets mais ça veut pas me mettre à 100%, en fait il y a une quête qui veut pas s'actualiser et du coup... Du coup, j'arrive pas à mettre le jeu à 100%, parce qu'en fait, le jeu, quand il est sorti, il avait pas mal de bugs à ce niveau-là. Et j'ai une quête qui a bugué, donc c'est pas grave, nous allons refaire une sauvegarde. Que je vais pas faire à 100%, hein, on va faire le jeu tranquillement. Le 100% est pas... Au pire, je vous montrerai vite fait ce qu'il y avait en plus. Et la gueule que ça rend, par exemple, quand on a fait toutes les carrières, enfin, vous verrez ça après dans le jeu. Là, j'ai fait une sauvegarde normale. Mais nous, on est des vrais. Donc on va faire une sauvegarde difficile. Parce qu'on aime le sel. Allez, on profite de l'histoire. Hop, donc nous jouons Ori, hein, comme dans le premier jeu, nous avons déjà fait le let's play, ni d'hirondelle. Donc bien entendu, nous n'avons plus nos pouvoirs, nous n'avons plus rien, nous n'avons plus le dash, nous n'avons plus la plume. Nous sommes à poil. Et voici Gumo. Nous n'oublierons jamais ce jour. Où une nouvelle vie arriva à Nibel, et oui! Elle fut baptisée Kun. Parce que c'est une fille, c'est une petite chouette. La fille de Kuro, du coup. Donc on peut dormir à l'infini ou se réveiller normalement. Voilà. Voilà, donc on peut faire comme dans le premier jeu, on peut faire ça. Ah oui, on peut pas grimper par là, je crois qu'il faut sortir. Tu vas sauter, oui? Ah ouais, mais c'est vrai qu'elle a une aile explosée. Un peu comme dans Nemo. Nemo qui a une nageoire atrophiée aussi.
Ouais, je viens de remarquer que j'avais mis le... Merde, je me suis en train d'enregistrer en 30 FPS, faudra que je change ça. Attendez, je vais regarder un truc de seconde. C'est pas grave, vous inquiétez pas, ça me joue en pause, c'est normal. Ah ouais, merde, ça me met en 720 aussi. Bon, la première vidéo sera un peu moins belle que les autres. C'est pas grave. On va pas la faire très très longue, la première, comme ça, voilà. Donc là, on va trouver la solution. Le cadeau d'une mère qui n'est pas fait exprès, hein, attention. Hein. La plume de Kuro, regardez, qui nous permet de planer. Pour lui grimper dessus. Voilà. Allez, je peux planer. C'est beau.
Alors, le marais de Mormont, désolé si vous avez entendu mon portable sonner, mais quand je tourne des vidéos, faut savoir que mon portable sonne tout le temps. Alors voici la nouvelle interface qu'on aura dans le jeu, bon comme d'habitude les points de pouvoir sur la gauche et les points de vie sur la droite. Et nous allons pouvoir utiliser plusieurs types d'attaques. Là pour l'instant il y a le menu, donc pour l'instant il ne ressemble pas à grand chose, c'est la map. Fragment spirituel, ça sera comme... comment ça s'appelle? Un petit peu comme Hollow Knight en gros. C'est des charmes qui vont nous permettre de devenir plus fort ou plus rapide, enfin vous allez voir. Et ça c'est plus ou moins l'inventaire du jeu. Ça c'est tous les objets que je vais trouver, ça c'est toutes les quêtes. Voilà, donc et ça c'est tous les... en bleu et en vert. Tous les fragments qu'on va pouvoir trouver, donc 3 sur 20, 3 sur 20. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut aller sur la droite ou sur la gauche? Je m'en rappelle plus. Profiter un peu de l'ambiance de la musique qui est trop bien. Faut savoir que les fragments spirituels, là ce que j'ai ramassé, voilà ça, ça va être de la thune en fait dans le jeu. Donc c'est de l'argent en gros. Contrairement dans le premier où c'était là, ça nous permettait d'améliorer nos capacités. Là on peut passer dessous. J'adore cette musique. Voilà, donc nous avons une torche qui va nous permettre de nous défendre. Je sais pas si on peut retourner en arrière, mais ça m'étonnerait. J'espère que c'est pas trop fort la musique. Donc là, il nous faut des clés. Pas la récupérer. Hein, le... Ah, voici Toc qu'on va rencontrer plusieurs fois dans le jeu. Qui es-tu donc? Pas un mot qui, ça c'est sûr. Tu ne viens pas, même pas de Niwen, je parie. J'ai voyagé partout et je n'ai jamais rien vu. Comme toi, tu viens de par-delà les eaux, peut-être. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Toc et je voyage dans cette contrée, là où il fait bon aller en tout cas. Je m'abrite de la tempête, mais si tu veux aller plus loin, tu vas devoir traverser le portail des esprits. Il faut deux pierres clés comme celle-ci pour l'ouvrir. Il y en a justement une dans la grotte à l'ouest. Pour la récupérer, il faudra compter sur quelqu'un de plus agile que moi. Voilà, donc il y a des petites quêtes, des moments comme ça. Des fois, bon, elles sont complètement obligatoires. Hein. Et ouais, là, on aura plus d'interactions avec des personnes. Contrairement dans le premier où c'était un peu la solitude. On va récupérer l'XP, hein. Alors normalement... Non, pour l'instant on peut pas... Je voulais voir si vous pouvez vous montrer l'inventaire pour changer... Merde. Pour changer les armes et tout, mais pour l'instant ça n'existe pas vu qu'on a que ça. Ah,
petites créatures un peu chiantes. Ça fait partie des ennemis les plus chiants du jeu et pourtant c'est les premiers. Ah bah déjà première mort, tiens. C'est dans la première fois que j'avais joué au jeu, j'avais pas été tué. Ah oui, mais c'est vrai. Je joue en mode difficile. Ah, ça va être la max. Ça va être la max. Ah ouais, d'accord. D'accord, en fait, c'est les dégâts qu'ils me font qui sont juste violents. Ouais, je vais pas jouer comme dans ma première game, je pense. Hein. Donc ici, on peut grimper comme ça. Putain, ouais, j'ai plus de torches, du coup. Une pierre clé. Et voici, voici une autre pour la peine, je suis un oiseau de parole. Yes. Donc c'est cool, on en a deux. Par contre, on peut plus attaquer. On peut plus attaquer, là pour l'instant on n'a pas de vie. Il y a notre ami le loup là qui va nous emmerder bientôt. La première fois que tu le vois, tu te dis bon, il y a l'embrouille qui arrive bientôt. Là, il n'y a plus de feu. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de vie. Le passage du loup, ça va m'embêter. Hein. C'est pour ça, vous voyez, c'est un arbre qui va pouvoir me donner un pouvoir. Et je me suis posé la question du pourquoi la dernière fois je l'ai loupé. D'accord, bah je le sais maintenant. Allez, on va faire cette phase-là. Et j'arrêterai... cette VOD est juste pour... D'accord. J'essaie de bourriner parce que la première fois j'avais pas bourriné, j'ai perdu une dizaine de vies déjà la dernière fois. Que j'ai fait ce boss, donc bon. On va y arriver, on va y arriver, on va temporiser. C'est le boss qui m'a enlevé le plus de vie, celui-là, dans la première game. Donc, pourtant, c'est pas le plus... Il n'y a pas besoin de lui enlever toute sa vie. Hein.
actuellement j'ai pas le dash, j'ai rien, donc c'est comme dans Hollow Knight, au début t'es tellement à poil que... La morsure elle me touche toujours. Hein. Yes! Bon, ça va. Voilà. Pas très compliqué, mais voilà. On va continuer un peu plus parce que 23 minutes ça fait un peu court. J'espère que là, le son et tout ça sera bon. Normalement, j'avais fait les tests, ça devait aller. Mais... Après, en jeu, les sons sont assez inégaux, je trouve. L'antre d'Aul. Donc, Aul. Qui est ce loup? Donc ici on peut pas y aller. Bien entendu, squelette, la mort, voilà, hein, comme ça. Ça commence toujours comme ça, Ori. Ça, je peux pas le casser, donc je peux pas récupérer de la vie. Ah, regardez. Regardez. Ce n'est pas comme les autres. En toi brille une lumière ancienne. L'arbre s'est souvenu. Il a su, il a lui. Il a partagé sa mémoire avec toi. Et il m'a donné la lame spirituelle. Donc c'est un peu comme la torche, mais en gros ça sera juste une lance. Donc très corps à corps le jeu. Même si on peut se battre à distance. Hein, mais je sais pas si je vais faire des folies en mode difficile. Donc voilà, donc vous allez voir, on peut, voilà, on peut choisir, on a un petit, petit arbre de d'attaque ici. Et moi je vais le mettre en bouton B. Quoique non, je vais le mettre en bouton... Ouais. J'ai l'habitude d'attaquer avec le bouton X. Voilà, donc c'est parti. Nous avons une, ça, nous allons jamais le perdre, hein, donc voilà. Ça nous permettra de passer là, par exemple. Ah ouais, faut vraiment pas que je me fasse toucher. Hein. Alors, pour attaquer vers le bas, je vous ai dit, c'est très, très Hollow Knight au niveau du gameplay. Tiens, hop. Orbe d'énergie, donc ça me redonne un peu de la mana. Alors, c'est infini, hein. Ça me gaspille pas de la... Ça me gaspille pas du tout de la de l'énergie. Voilà, aimant. Donc ça, on va le mettre, on va l'utiliser. Ce qui fait que ça me permet de pas forcément courir sur les orbes pour les récupérer. Regardez par exemple, hop. Voilà. Et après je peux améliorer les mains. Hein. Je peux vraiment péter la gueule d'un ennemi à l'autre bout de la map.
ça va me venir dessus si je veux. La lumière t'écoute, tu dois être un esprit finalement. Nous les Moki, nous pensions que tous les esprits avaient disparu de Niwen. Tu cherches quelqu'un, nous connaissons un découvreur. Grand et moussu, il s'appelle Kurlok. Va voir le gardien du marais. Warlock t'aidera à trouver son chemin. Voilà, donc c'est loin, Kurlok, il est là. Ah oui d'ailleurs, attendez, je crois que je peux vous le montrer déjà. Vous avez vu, le loup, il est apparu. Donc on voit que dans le menu, j'ai déjà la lance en bas à gauche. Et il y a le loup, là. Et vous allez voir, en fait, à chaque fois que je vais rencontrer des ennemis ou autres, ça va s'apparaître. Donc ça va être trop bien. Y'a quoi là? Est-ce que j'ai envie d'aller là pour l'instant? Je sais pas. En fait, j'ai envie d'aller partout dans le jeu, c'est ça le problème. La musique est trop bien. Donc un nouveau bestiaire aussi. Hein. Bon après ça reste à peu près le même principe que certains ennemis dans le premier. Ça je pourrais le casser plus tard. Là pour l'instant... Ah ouais je peux pas remonter donc ouais faut que je descende. Je peux faire un dash, regardez, un autocan aussi, hein, vous avez vu. Ce qui fait que ça va stun un peu l'ennemi en hauteur. Oula. Il faut vraiment pas que je me fasse toucher. Hein. C'est ça le mode difficile. D'où l'intérêt du mode facile ou normal. Bah moi j'ai joué en normal hein, parce que facile. Ah, je voulais quand même un peu de défi. Faut que je me reprenne un peu l'habitude du jeu. Alors là... On va mettre ça là. Non, on va faire le tour. Pour pouvoir le descendre normalement, si je me rappelle bien. Ça s'appelle les embrouilles. Ah là là. Ah, on m'a touché. Bien joué. Bien joué Zinedine. Ça va, on s'en est sorti. Alors je sais que plus tard, du coup, j'aurai un pouvoir à rattraper par là. Je crois que c'est là, hein, du coup. Ah, il y a... Lupo, il s'appelle. Regardez, si on met le détail, ça, c'est Lupo. Il me donne des maps. C'est Cornifère dans... dans comment il s'appelle? Dans Hollow Knight. Ah bah tiens, cool, nouveau pouvoir. Alors on va en avoir pas mal des pouvoirs assez vite, hein, mais... Pour aller encore plus haut, le double saut, ah ouais le double saut, je me rappelais même pas quoi. Voilà, donc par exemple le double saut va me permettre ici, hop, d'avoir ça. Adhérence, donc ça me permet d'escalader, on va le prendre pour l'instant. Vous voyez, ça me permet de faire ça. Et de prendre le temps. Mais moi, je m'en suis quasiment pas servi de l'adhérence. Ça, je vais le garder au cas où je me fais toucher. Voilà. Ouais, parce que l'adhérence, vous voyez, ça adhère automatiquement. Et c'est presque problématique, je dirais, parce qu'il y a des moments où tu t'y attends pas. Et c'est moins agréable que dans le premier jeu à ce niveau-là.
Voilà. Donc là, normalement, il y avait un passage, non? Voilà, vous voyez, le fou en l'air l'éjecte. Ah, il est pas tombé, hein. Il va tomber, oui. C'est pas facile contre eux, hein. Ah là là, au secours. Quoi? Je pensais que je l'avais stun suffisamment longtemps, moi. Là, c'est sûr, je vais enchaîner les morts en difficile. Hein. J'ai déjà bien plus de morts que dans ma première save. Ouh là là. Alors, faut savoir qu'il y a un système de dégâts, en fait, dans le jeu, donc je vais pouvoir prendre moins de dégâts ou en infliger bien plus. Un peu temporiser, hein. Normalement là ça passe. Donc là je peux passer aussi plus tard. Enfin, c'est le genre de zone où tu sais que tu vas avoir une sorte de dash. Enfin c'est pas un dash mais... Mais une attaque, voilà, une attaque au sol pour casser le sol. Voilà, c'est différent, t'es pas obligé de la débloquer tout de suite. Le jeu t'oblige presque à acheter une compétence, limite. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec le double saut, je vais pouvoir récupérer la première clé là qu'on ne pouvait pas récupérer. Par contre, il faut que j'apprenne à gérer mes sauts. La lumière des puits irrigue tout Niwen, donc ça c'est le point de sauvegarde, point de téléport. C'était surtout ça qui était buggé dans le jeu au début. Voilà, parfait, donc du coup on va pouvoir s'arrêter ici. Et après on ira chercher la clé qui est là, la deuxième. Yes. Voilà. Allez, bah sur ce, je vais arrêter ici. Bah, j'espère que voilà, ça vous plaira, Ori. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, donc c'est pour ça que je le refais aussi. Ça me permettra d'avoir les succès, vous voyez. Je sais pas si on peut les voir, les succès, là. Je sais plus où on les voit, les succès du jeu. Sûrement dans les options. Voilà, et ça me permettra d'avoir certains succès que j'ai pas encore eu. Termine le mode difficile, par exemple. Voilà. Bon, voilà, là, on voit toutes les attaques et tout. Enfin, je vais pas vous spoiler le jeu. Hop, on sauvegarde. Comme ça nous régène la vie et tout. Bise. Et à la prochaine, donc j'espère que l'épisode n'a été pas trop dégueulasse. Je vais améliorer la qualité pour le prochain. Je vais le mettre en 60 fps et en 1080. Allez, bisous!